Oui, bonjour, mon nom c'est Stéphanie. Je m'entraîne ici au CAP, ça va faire bientôt 3 ans. Un an et demi que j'entraîne, j'ai commencé par les ados, maintenant j'entraîne les adultes. Aujourd'hui, on va vous montrer un entraînement typique un petit peu de c'est quoi le CrossFit. Donc, j'ai 4 athlètes avec moi aujourd'hui. On va commencer avec le warm-up, le réchauffement. On va faire, ils sont en équipe de 2. 2 vont partir en lunge, fente avant, dépose un genou au sol. Toujours les bras qui sont lockés, bien droits, tendus. Ils vont se diriger de l'autre côté, déposer leur barre, leur poids. Ils vont venir où les barres au mur et faire des toes to bar. Les toes to bar, c'est un mouvement avec un ballon où on va toucher les orteils en haut. Ils vont en faire 4, vont rechercher leur poids, se rediriger de l'autre côté. Pendant ce temps-là, on voit ici, leurs coéquipiers sont en pause squat. Ils restent en mouvement, toujours en bas de squat, comme ça. Quand ils arrivent, ils chargent les poids et se dirigent de l'autre côté. Normalement, un warm-up, on va le faire plusieurs fois à répétition. Pour aujourd'hui, ils vont le faire chacun une fois. Il y a Alexandre ici qui va nous montrer un mouvement qu'on peut faire alternatif. Quand on commence, on n'est pas nécessairement toujours capable de faire le mouvement. Il va aller le faire avec les genoux. Avec les genoux, avec un ballon. Comme ça. Et on revient de l'autre côté. Leurs coéquipiers sont restés en pause squat. En bas. Allez chercher toujours le dos qui est bien droit quand on est en bas. Les fesses qui sont sorties un petit peu. On regarde toujours droit devant. Donc, pour notre warm-up, c'était ça aujourd'hui. Pour le mouvement qui est un peu plus technique, parce qu'en CrossFit, on a beaucoup de mouvements de différents types de sports. On va avoir des mouvements de type gymnastique, des mouvements d'haltérophilie, d'endurance, puis avoir la natation, beaucoup. Comme le premier mouvement qu'on va aller chercher pour pratiquer, c'est un mouvement plus de gymnastique, on va faire de la marche sur les mains. Donc, nos 4 athlètes qui sont ici sont un petit peu plus, sont tous un peu capables de marcher sur les mains à différents niveaux. Donc, on va les revoir aller. Ils vont commencer. J'ai comme Sarah qui peut aller comme ça. Sarah? On va voir un petit peu que les pieds sont un petit peu vers l'arrière pour aller chercher son ballon. C'est une gymnaste. Elle est très bonne, elle est excellente. Quand on a des athlètes qui ne sont pas capables encore de marcher sur les mains, on vient commencer par les murs. Félix, tu peux-tu nous donner un exemple ici, au mur, de qu'est-ce que ça donne? Il s'approche un petit peu, on recule. Il s'approche. On vient chercher le mouvement qui est comme ça. Fait que les athlètes, pendant le mouvement qui est plus technique, ils se pratiquent. Ils vont faire des petits allers-retours, ils vont aller chercher leur centre de gravité, ils vont tomber, ils vont se replacer. En général, on a tout le temps à peu près un 5 à 10 minutes de temps pour pratiquer un skills, un mouvement technique. Faites juste attention pour ne pas tomber. Vous rentrez dedans. On a Sarah et Jimmy qui se pratiquent au mur aussi pour aller chercher un angle dans leur dos, pour aller chercher une meilleure stabilité quand ils ont la tête en bas. C'est un mouvement où les gens ont souvent peur de pratiquer puis de réaliser. C'est pas nécessairement tout le monde à l'aise d'être inversé, là, la tête en bas, les pieds en l'air. Ici, au CAPS, on offre aussi de temps en temps des petites formations, comme il y en a eu une récemment où c'est Sarah et Coach Mylène qui ont donné pour donner des trucs comment réaliser des mouvements qui sont plus gymnastiques. Soit sur les barres en haut, sur les anneaux, ou des mouvements qui sont comme ça ici au sol, la marche sur les mains, des push-ups la tête en bas, les pieds au mur. Ils vont pour pouvoir nous perfectionner dans des mouvements qui sont un peu plus difficiles à réaliser. OK, pour le deuxième mouvement technique, on va voir un mouvement qui va être plus haltérophilie. C'est un mouvement qui va nous aider à aller chercher de la rapidité au niveau de la réception du mouvement, de l'arraché. Donc, ça s'appelle du drop snatch. On va décoller Alexandre avec la barre au niveau des épaules en arrière, puis d'un mouvement rapide
sans donner d'élan au niveau des genoux, sans donner de mouvement de rappel, on va descendre rapidement sous la barre. Comme Alexandre va le faire, comme ça. Ils vont exécuter à peu près des séries de 3 répétitions chaque. Ils vont monter leur charge tranquillement, pas vite. C'est un mouvement qu'on peut venir aussi chercher sur les orteils pour descendre au sol. C'est un mouvement qui est vraiment technique et difficile à réaliser parce qu'on n'est pas habitué de donner un mouvement sans élan. On voit Jimmy qui épaule par en avant, il va porter la barre en arrière. Il faut donner le moins d'élan possible au niveau des genoux. Seulement descendre, le mouvement rapide. Ça va aider les athlètes à avoir vraiment une belle réception au niveau du snatch. Donc là, on peut voir qu'il y a deux façons, ce que les athlètes le font aujourd'hui. Il y a Alexandre qui vient vraiment sur le bout des orteils, qui va descendre. Puis on va voir Jimmy qui va aller descendre en laissant complètement ses pieds à plat. L'arraché, c'est un mouvement qui est très technique. On est capable de décortiquer le mouvement de différentes façons par les tirages pour aller travailler vraiment le mouvement le mieux possible pour éviter toute blessure, pour éviter de mal travailler avec notre dos, des choses comme ça. C'est important d'écouter quand on vient ici, d'écouter les entraîneurs, de travailler comme il faut avec les barres, de travailler comme il faut avec les poids pour éviter toute blessure. Toujours garder le dos droit, toujours garder loin devant. D'avoir les coudes qui sont bien barrés. Les athlètes qui sont avec nous aujourd'hui, on a Sarah, Alexandre, Jimmy, puis on a Félix qui fait du crossfit avec nous autres. Ça fait à peu près 1 an et demi. Félix vient d'avoir 14 ans. Ça va vraiment rejoindre du monde de tous les groupes d'âge. On a des enfants, des groupes de juniors, comme on a des personnes qui sont plus âgées. Puis le CrossFit s'adapte vraiment à toutes les capacités des gens. On est capable d'adapter les mouvements. On va adapter les charges, on va adapter pour qu'on puisse continuer de progresser avec leurs capacités à eux autres. On suit le rythme de la clientèle, on suit le rythme des gens. Ça va venir de plus en plus lourd, ça va être difficile de donner pas de swing avec nos genoux, de kick. Il faut toujours quand même bien maintenir une belle technique, c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont devenir plus forts et meilleurs. On va te prendre les 10. On va en faire encore une petite minute. Après ça, on va s'installer pour le défi du jour. Le CrossFit, ça a tout le temps un petit format. On a un warm-up, un skill. Un warm-up, c'est un réchauffement. Ça peut aller par des flexions, des exercices de mobilité. Il va y avoir le skill, ce qu'on est en train de faire, la marche sur les mains tout à l'heure, le drop snatch, où ce qu'on va pratiquer des mouvements qui sont plus précis, plus techniques. Ils vont prendre le temps d'apprendre des mouvements pour s'améliorer. Puis le défi du jour. Le défi du jour, ça peut être plusieurs mouvements exécutés dans un temps donné ou d'aller chercher le plus de répétitions possible.
comme tantôt, ça va être il va y avoir plusieurs mouvements qu'il va falloir qu'il aille chercher le plus de répétitions possible. C'est ça. Droit devant. Super. On va finir les dernières séries, puis on va commencer à s'installer et expliquer le défi. On va commencer à se ramasser. Défi du jour aujourd'hui, on va avoir 4 exercices. Dans ces 4 exercices-là, on va avoir des répétitions à réaliser. Comme il y a un mouvement, ça s'appelle des pull-ups. Je vais vous faire une démonstration avec Alexandre tantôt. Dans ces mouvements-là, c'est un mouvement qui est aérien au niveau des barres. Du snatch, c'est ce mouvement-là qu'on a vu à partir des épaules, mais on va le faire d'une façon différente encore là. On va le faire soit avec des kettlebells. Un kettlebell, c'est un poids rond avec une poignée, ou avec un poids normal, un petit poids, un dumbbell. Ensuite de ça, il va y avoir des push-ups qu'on va faire à partir des anneaux et des pistoles qui est un squat sur un pied. On va le réaliser, ça va être un temps qui va être à peu près d'une quinzaine de minutes, d'une douzaine de minutes. On va avoir 10 répétitions de chaque exercice à faire. Ensuite de ça, 8 de chaque exercice, 6 de chaque exercice, 4 et après ça, on remonte 6, 8 et on termine avec 10. Donc, pour les pull-ups, il y a deux façons de réaliser les pull-ups. Il y a Alexandre qui va le montrer de façon keeping. C'est un mouvement qui va être vers l'avant, on va monter vers l'arrière, on va tirer. C'est un mouvement où on va aller faux. Les abdos, les lombaires sont vraiment mobilisés pour monter, aller chercher en haut. Quand on commence ici au CrossFit, on a des moyens de le montrer. On a souvent des élastiques qu'on peut mettre sur les barres ou on peut mettre soit des poids ou bien des box, des caisses en bois pour pouvoir nous aider à aller lever le menton au-dessus de la barre. Parce que le but du pull-up, c'est de faire passer le menton par-dessus la barre. Le deuxième mouvement de pull-up, c'est la façon butterfly, où c'est un mouvement rotatif des épaules. Fait que c'est les deux façons de faire un pull-up. Le deuxième mouvement, c'est un snatch, soit avec un kettlebell ou avec un dumbbell. Le kettlebell qui va être ici. Jimmy, tu vas en faire ça. Jimmy va me faire un snatch avec un kettlebell. Ils peuvent le faire 10 fois de chaque main ou alterner d'une fois à l'autre, c'est personnel à l'athlète. C'est important de toujours avoir le dos bien barré, d'arriver en haut, de barrer son coude, de bien réceptionner avec les jambes. Le troisième mouvement, c'est un push-up aux anneaux. Alexandre. C'est bien important d'avoir les anneaux de ce sens-là, de maintenir une stabilité pour essayer de ne pas trop shaker, de descendre les épaules aux anneaux. Une façon alternative aussi qu'on peut le faire, c'est de lever un petit peu. Si vous voulez le faire à la maison, là, vous pouvez le faire à partir du divan, mais faites-les à l'inverse, là, les pieds sur une chaise ou les épaules aussi sur une chaise, ça peut vous faire à la maison. Fait que ça va être l'avant-dernier mouvement. Et le squat sur une jambe, un pistolet. Qui veut l'essayer? Félix! Et le squat sur une jambe qu'on alterne d'un côté et de l'autre. Pour l'apprendre à le faire aussi, c'est un mouvement qui a l'air quand même assez facile à réaliser, mais c'est vraiment difficile. On peut le faire en se donnant l'équilibre sur un corps de porte à la maison, sur une chaise. Ça va nous aider aussi à bien descendre en bas et nous aider à nous relever. Donc, on va, dans le fond, le chrono, on passe pour un 12 minutes. Les athlètes se préparent, ils vont s'installer chacun à une barre avec leur matériel. Puis, ils vont devoir réaliser 10 pull-ups, 10 snatch, 10 push-ups, et 10 pistoles, à la suite de ça, 8, 6, 4, 8, non, 4, 6, 8, 10. Toi, Sarah, tu t'étais là? Ouais, OK. Félix, t'es là-bas?
Normalement, quand on décolle sur l'entraînement du jour ici, on a le chrono qui est au mur. On installe, les athlètes s'installent, puis on décolle le chrono à 10, 9, 8, 10, 8, 6, 4, 6, 8, 10. Donc, on se décolle. Tu as décollé le wood? OK. Comme on va décoller le wood, on décolle en 10. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Là, on a quand même une ambiance qu'on retrouve d'habitude que là, on n'a pas. Il y a toujours de la bonne musique. Ça nous aide à nous craquer, à nous motiver. Là, c'est bien difficile. On les entend respirer, on entend parler. Ça fait un beat qui est un petit peu différent. On s'encourage tout le temps. Au CrossFit, les groupes sont mélangés. Il n'y a pas de groupe où c'est intermédiaire ou c'est des débutants. Tout le monde est ensemble, tout le monde s'encourage. Il y a une belle esprit d'équipe. C'est super le fun de venir s'entraîner ici. Il y a des gens qui vont finir avant d'autres. Il y a des gens qui vont avoir de la misère à terminer. Il n'y a personne qui juge personne. Tout le monde est là pour s'entraider. Quand on fait un wood, le but, c'est quand même de le rentrer rapidement, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a une technique pour ne pas se faire mal. Les coachs sont là pour superviser, sont là pour aller nommer. Fais attention à ton dos, porte ton dos, bloque tes hanches, travaille ton mouvement comme il faut. Des entraînements comme ça, c'est sûr, c'est un petit peu plus difficile à réaliser à la maison. Il n'y a pas toujours le matériel. Il faut être créatif. On utilise des cannes de conserve qu'on peut prendre, des anneaux comme ça peut se trouver, ça peut s'installer dans un cadre de porte à la maison. Ça se fait. Il y a des gens qui sont vraiment bien installés chez eux. Sinon, avec le matériel qu'on a à la maison, pour pratiquer, mettons, un squat, on peut prendre un manche à balai, on peut prendre toutes sortes de choses pour vous initier un petit peu à qu'est-ce que c'est le CrossFit. Le pistolet ici, on a vu Alexandre qui a essayé de se prendre les orteils. Il y a une façon aussi de le faire. Il y a des gens qu'il faut qu'ils fassent ça à chaque tour pour pouvoir garder leur gravité, descendre comme il faut. Ça travaille vraiment les cuisses, les fesses, la stabilité. Ça, normalement, moi, je crie et j'encourage. Let's go, la gang, on lâche pas! Go, go, go! Il y a beaucoup de matériel aussi que les athlètes arrivent avec eux autres. Quand on travaille avec des barres, les gens ils vont se mettre des straps au poignet, ils ont la ceinture au niveau de l'haltérophilie pour le dos, protéger le dos. On a Félix qui a un truc pour son genou ici. C'est important que les gens ils se fassent pas mal. Là, ils sont rendus dans leur série de 8. Ça se fait quand même assez rapidement, là. C'est cardio, c'est musculaire. C'est tout le temps intense, toujours varié, toujours... ils arrivent, ils ne savent jamais à quoi s'attendre. Ils sont venus mardi, ils sont un peu raqués, ils reviennent le jeudi, puis bon, maudit, encore quelque chose de plus dur. Ils arrivent, ils regardent le tableau. Bon, comment je vais faire pour faire ça aujourd'hui? Finalement, ils sortent de là, fiers d'avoir réalisé quelque chose qu'ils n'auraient pas pensé être capable de faire. Ça peut faire peur, mais c'est toujours le fun. Ils sont toujours accompagnés, ils sont toujours coachés, dirigés. Il y a toujours des façons d'adapter. Let's go, let's go, let's go! Il décolle la série de 6. Ce qui est difficile avec un entraînement de ce type-là, c'est que tu descends, tu arrives à 4, tu fais comme OK, on remonte! Faut pas se démotiver, faut s'encourager. C'est un sport où il faut se parler pour toujours pouvoir continuer à avancer. Les gens viennent ici pour différentes raisons, pour améliorer leurs compétences dans d'autres sports. Ils le font pour eux autres aussi, pour perdre de poids, pour améliorer aussi leur physique, perte de poids, gain de masse musculaire, rapidité et souplesse, ou par passion tout simplement. Quand on goûte à ça, souvent, on n'est plus capable d'arrêter. Des fois, on se demande même, bon, j'y vais-tu ou j'y vais pas? On sent trop mal de rester chez nous parce qu'on a mal aux jambes, mais on y va parce qu'on aime trop ça. Let's go, on lâche pas!
Vous avez pratiquement 5 minutes de fait, 4 minutes 30 de réalisé. Ils sont rendus aux séries 4. C'est plus rapide rendu là. Super. Souvent, le crossfit est associé à gros muscles, personnes très en forme. On a des gens qui viennent ici qui ont des problèmes aux genoux, qui ont des problèmes au dos, qui ont des petits surplus de poids. Puis, ils viennent, ils sortent d'ici, ils sont fiers d'eux autres, sont contents d'avoir réalisé quelque chose. Ils ont des résultats sur leur corps, ils ont des résultats aussi juste sur l'énergie qu'ils ont pendant leur journée. Lâchez pas, lâchez pas! Vous avez plus de fêtes. N'oubliez pas la technique, le dos, on barre le dos. On voit Sarah qui fait ses push-ups un petit peu plus haut. Une façon différente de travailler son push-up. Let's go, let's go! On lâche pas, on lâche pas! Six minutes et demie de fête. On a vu Félix au coin là-bas, il a fait les deux façons de faire des pull-ups. Il a commencé en les faisant en butterfly, il a continué en keeping. Il y a Jimmy qui a presque terminé. Let's go, groupe! Jimmy est à sa dernière série de 10. Il est revenu à sa série de 10. Vous avez du temps. On lâche pas, on lâche pas! Let's go, Alexandre! Quand on fait les des pistoles, c'est un point d'appui, c'est le pied. Faut pas que le talon touche celui qui est dans les airs, il n'a pas le droit de toucher. On n'a pas le droit de mettre une main au sol. Il faut rester en contrôle dans notre mouvement. Ça, c'est des mouvements qu'on va aller chercher quand ils sont techniques comme ça. C'est pour ceux-là qui veulent faire de la compétition. Le crossfit, ce qui est beau à voir là-dedans, c'est que c'est un sport en général qui est individuel, mais c'est un des sports où j'ai vu un plus gros esprit d'équipe. Le monde s'encourage entre eux autres, ça va se taper dans les mains. Même s'il y en a un qui a battu l'autre dans son temps, « Hey, Colin, t'as vraiment bien travaillé », ça va s'encourager. Il n'y aura personne qui va être fâché après quelqu'un d'autre. C'est vraiment un esprit qui est trippant, là. Faut juste pas avoir peur de passer la porte. Vous allez toujours être bien accueillis ici. Let's go, Jimmy, ça achève. Vous avez du temps encore en masse. Let's go!
Good. Il y a Jimmy qui a fini. Let's go, gang. On lâche pas. Ça achève, ça achève. Good job. Woo! Sarah qui a terminé. Alexandre, t'es rendu où? 10. Alexandre qui a terminé aussi. Pratiquement terminé. Good job. Let's go, la gang, let's go! On lâche pas. On garde un beat, on finit ça. Let's go! On lâche pas, on lâche pas! Fini! Good job! Super! Donc, pour un entraînement en CrossFit, ça a l'air de ça. Il y a toujours un peu un même format. C'est toujours différent, même si le format est toujours un peu similaire. En fin d'entraînement comme ça, ils sont fatigués, ils veulent boire de l'eau, ils veulent... des fois, ils se retrouvent, ils sont couchés par terre. Mais c'est toujours dynamique, c'est toujours le fun. Souvent, il va y avoir un petit extra ou il va y avoir des étirements au niveau des abdos aussi. On va aller chercher de la mobilité, se réchauffer comme ça. On a des rouleaux, faire passer un petit peu la lactique qu'on a dans les jambes, dans le dos. C'est important toujours de bien s'étirer à la fin d'un entraînement. On le verra peut-être pas aujourd'hui ici parce qu'ils font toujours un peu personnel à chacun au niveau des échauffements. Mais travailler les abdos, les lombaires, tout ça, c'est quelque chose qui est important à réaliser. Donc, moi, je pense que pour un entraînement comme ça, c'est comme ça. Fait que je vous dis au revoir, puis merci!